Voici votre écran Destination. Il apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton Destination. À l'aide du contrôleur multifonction, naviguez parmi les types de destinations privilégiées. Choisissez celui que vous avez surligné en appuyant sur Entrée. Adresse permet de rechercher un emplacement par son adresse. Lieu permet de rechercher une destination pour diverses catégories de commerce ou d'emplacement. Domicile permet de rechercher un itinéraire depuis l'emplacement actuel jusqu'au domicile enregistré. Lorsque vous sélectionnez Home pour la première fois, le système vous demandera d'enregistrer l'emplacement. Carnet d'adresse permet de récupérer une destination que vous avez déjà enregistrée. Destination précédente permet de rechercher un emplacement que vous avez déjà fait rechercher par le système de navigation par le passé. Supprimer la destination permet de supprimer la destination actuelle. Il existe bien d'autres possibilités de rechercher de certains types de destinations, comme celles qui sont enregistrées par numéro de téléphone. Il est également possible d'afficher les destinations en fonction des bretelles d'autoroute ou des intersections. Pour trouver des itinéraires à l'aide de ces renseignements, vous devrez utiliser le clavier à l'écran. Voici un exemple d'utilisation du contrôleur multifonction et de votre clavier d'écran pour trouver une adresse. Surlignez « Adresse » à l'aide du contrôleur, appuyez sur « Entrée » pour commencer et un clavier numérique s'affichera. Entrez le numéro de la rue, puis surlignez « OK » et appuyez sur « Entrée ». Si vous ne connaissez pas le numéro, sélectionnez l'option « Aucun numéro » pour poursuivre, puis indiquez le nom de la rue que vous cherchez. Une fois que vous avez fini, surlignez « Liste » et appuyez sur « Entrée ». Sélectionnez la destination souhaitée. Un écran « Calcul itinéraire » s'affiche alors. Il vous permettra de lancer le guidage d'itinéraire ou d'afficher trois autres options d'itinéraire possibles. Vous pouvez également confirmer un itinéraire ou ajouter des points d'intérêt sur la route. Si aucune autre sélection n'est faite au bout de plusieurs secondes, le système lance automatiquement le guidage d'itinéraire. Pour supprimer une destination, appuyez sur le bouton « Destination ». Sélectionnez « Supprimer la destination ». Sélectionnez « Oui ». La destination est maintenant annulée, mais elle est enregistrée dans l'historique pour une future utilisation. Veuillez consulter la rubrique portant sur le système de navigation dans le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.